Bonjour à tous, c'est Oracle 90. On se retrouve pour la suite de notre petit let's play hein, de Pokémon Soul Silver Hardcore Venom. J'espère que vous allez bien. Moi, ouais, ça va plutôt bien. Et donc, dans l'épisode précédent, on a battu Chuck Norris. Non, pas du tout. Si ça se trouve, c'est pour ça qu'on l'a appelé Chuck, hein, parce que c'était aussi. Chuck est aussi un karatéka. Hein. Du moins en apparence. Enfin bref. Okay. C'est qui? Baoba. On peut aller au parc safari. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est aussi un bon moyen de capturer un nouveau Pokémon. Hop. Parfait. Donc dans l'épisode précédent, on est récupéré la super potion secrète, puis on l'a donné à la championne d'arène, je sais plus comment elle s'appelle. Non, désolé, je m'en rappelle plus. Et ce qui a permis aussi de soigner Pharan. Merde là. Oh putain, excusez-moi. Voilà, il y avait des trucs qui s'étaient affichés. Ah, si on avait escalé, ce serait top. Donc la route 47, normalement, c'est une nouvelle zone. Donc nouveau dresseur, évidemment. Donc là, on va prendre un petit peu notre temps avant de battre la championne, je me rappelle plus comment elle s'appelle. La championne de Lévis. Ça va me rappeler. Enfin bref. Donc là, on va essayer de... augmenter un petit peu l'XP de Pokémon. Boum. Ah la vache. C'est pas grave si vous... Oh putain, c'est stream. Ah ça, je savais pas. Ah, critique. Quel connard. Boum. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je pense. Hop. Attention. Donc là, c'est aujourd'hui où je vais diffuser, enfin plutôt uploader, parce que c'est diffusé dans ton corps. Le dernier épisode de Pokémon Emerald en Mega Full Random Nuzlocke, il est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Je me rappelle encore, enfin, ça fait pour moi, ça fait quoi, presque 4 mois que je l'ai tourné, et j'ai encore. Bon, on rappelle encore de tout ce qui s'est passé. Donc, la prochaine sacrifice, alors. Sacrifice. Ah la vache. Il blesse aussi l'utilisateur. Écoutez, on va pas prendre ça. On va abandonner parce qu'en plus ça me plaît aussi mon Pokémon. Donc non. Ah ma Macronium. Bah écoutez. Toujours point de feu. Excusez-moi si je tousse mais je suis tombé malade. Ah, c'est terrible qu'on est malade. À la base j'étais pas malade, c'est mon père qui m'a contaminé parce que c'est lui qui prépare à bouffer. Et du coup avec ses mains un petit peu sales. Du coup avec ses mains sales il m'a contaminé hein, le connard, enfin bref. Mais bon je l'appelle le connard même si c'est mon père, j'aime. Mais des fois il me casse un petit peu les couilles quoi. Par exemple, là justement je suis malade mais c'est à cause de lui. Hein. Donc je suis en train de souffrir en silence. À cause de lui. Bon. Voilà. Ça casse un petit peu les couilles quoi. Oh quel bâtard. Quel bâtard. Bon il faut que Floriza monte au niveau 30, ce serait bien. Voilà. Enfin, un petit cage éclair parce que... Ouh, de la...
Allez, un petit point de feu. Ça va être marrant. Oh putain. Pas très efficace. Allez. Pouvoir antique. Bon, moi je vous dis, il me faut un nouveau portable. J'ai un GG3, mais pue trop la merde. Les téléphones Android, je les aime pas du tout. Mais pas du tout. Ça fait quoi? Presque 2 ans que je l'ai, ce truc, et il me casse un petit peu les couilles. J'ai dû le faire réparer une fois parce que la batterie était défectueuse. Waouh! Écoutez-moi cette musique. Franchement, il n'y a rien à dire. Les musiques des Pokémon des jeux, enfin les musiques des jeux Pokémon sont plutôt pas mal. Franchement, rien à dire. Ils ont grave bossé là-dessus en fait, les compositeurs et tout. Donc là, on va pouvoir capturer un Pokémon là-dedans. Bon, j'espère que ce sera un Pokémon cheaté parce que là j'en ai un petit peu marre de petits Pokémon. Justement, je pensais à Dracaufeu. Oh putain! Eh, je vous jure, les gens, j'avais pensé à Dracaufeu quand j'ai dit ouais, j'espère que tu as un nouveau Pokémon. J'espère que ce sera un Pokémon cheaté. Donc j'ai pensé à Dracaufeu. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un putain de Dracaufeu. Oh! Oh putain, je crois que je vais. Oh! Eh, je vais jouer à les gens. Peut-être pas en direct, mais là. Oh putain. Et le pire, si on trouve Tortank. Alors, si on trouve Tortank, là, je. Ok, il m'a fait un petit peu mal quand même. Hein, parce que. Logiquement, au niveau 16, il ne doit pas faire forcément super mal. Mais là, il m'a fait légèrement mal. Allez. Une petite Super Ball. Voilà, c'est capturé, c'est dans la Pokéball, super. Ouh. Ah, j'ai trop hâte de le voir, sans déconner, j'ai trop hâte de le voir. Oh là là, pouvant souffler des flammes intenses, il peut faire fondre n'importe quoi, gare à sa colère. Pokémon type psy et eau. Ouais. Écoutez, on va le récupérer hein, juste après, je vous le dis tout de suite. Mais là, on va quand même un petit peu entraîner notre team. Niveau 12, bon. Et à niveau 16, je suis plutôt content. Je vais pas cracher dessus. Hein. Même si c'est un Pokémon du type. Enfin, un Pokémon du niveau 60, voilà, je vais pas cracher dessus. Allez, point de feu. À un moment, ça doit être super efficace. En plus, c'est un Dracaufeu. Donc ça veut dire que ça doit m'apporter plein, un max d'XP en fait. Donc 850, 358, bon c'est pas non plus terrible. Attends, il m'emmène où? Oh putain, c'est pas grave, j'ai un Salamence, je suis quand même content. Parce que ça m'embrase, voilà. Parce que si Chapon Feu évolue au niveau 36, il va pas évoluer en ça m'embrase. Hein. Pas du tout. Il va peut-être évoluer, je sais pas, en Chenipan. J'ai déjà vu ça dans Pokémon Emerald. Hein, si vous avez suivi cet esplay. J'avais un Germignon. Je voulais le faire évoluer. Bah, il a évolué en un Pokémon merdique. Hein. C'était quoi, Ramboum, je crois? C'était nul! C'était nul! Voilà, je monte de niveau. 30, 29. Bientôt 30. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai pas non plus craché sur le bon truc. Hein. Si j'avais trouvé Chimpan Feu au lieu de Dracaufeu, je vais d'abord être vénère. Tu vois? Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. C'est la vie.
Ouais, crache pas sur les bonnes choses, hein. C'est comme ça, c'est le destin. Pour rien y faire. Oh. Ça, son sacrifice, il commence à me faire mal, sans déconner. Non. Putain, plus tu auras ton attaque. Bon, voilà. Voilà, c'est plié, c'est terminé. Alors bon, les chimpons feu ici, là, me foutent super mal. Voilà, il n'y a pas le choix, hein. Si je fais pas ça, bah, je perds mon Pokémon. Si je perds mon Pokémon, je commence à chialer comme une merde. Donc là, c'est mort, on peut pas passer. Attends. Attends, j'ai parlé à mon Florizarre. Ouh, il a sauté! Il s'amuse à éclabousser partout. Ah ouais, donc là il va falloir cascade. Ah, c'est bon, c'est pas si grave. Ah putain, niveau 20. Écoute, je vais d'abord le paralyser. Faut être malin dans la vie, hein. Utiliser des petits trucs pour avoir ce qu'on veut plus facilement, hein. Et ça, bon. Pas non plus voler pour avoir quelque chose, quoi. C'est pas bien de voler, hein. Moi, je pense que dans la vie, si vous faites de mauvaises choses, hein, de mauvaises choses, hein, je disais. Bah ça vous retombe dessus d'une manière ou d'une autre, hein. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire quelques trucs pas bien pour avoir ce qu'on veut plus rapidement? Non, je pense pas, hein. Ah, c'est un bon sujet de philo, de bac philo, hein. Ah putain, elle me lâche pas le connard. Oh là, coup de critique. Bah technique... Ah purée, putain. Ça me casse les pieds ce truc. Mais bon. C'est un bon moyen d'entraîner mon Pokémon, quoi. Allez, pour un tic. Franchement, ce jeu a été plutôt généreux avec moi, même si j'ai un petit peu hacké la ROM, on va dire ça. Anthony, arrête, oh putain. Anthony, ne me casse pas les pieds s'il te plaît, je suis en train de jouer là. Devoir remonter, passer par ce chemin là. Oh oh, ah, je me suis fait avoir. Putain, en plus au début j'avais vu, il y avait un double dresseur. Ok, laisse-moi voir, Kangourex, c'est quel type? Je crois que c'est un Pokémon de type glace. La tempête de sable. Ouh, ça risque de me faire mal celui-là. Donc là, je l'ai paralysé, histoire de le calmer un petit peu là, parce que...
Maintenant, c'est la mantine que je dois travailler en fait. Ah non! Ah putain! Regardez-moi ça, putain. J'ai plus de pépé. À tout? Ah non, 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 non. Oh! Salaud. Putain de salaud. Et sans déconner, il va me buter mon Florizarre. Bon, là, il était pas très malin, hein, la mantine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a utilisé Tempête Sap, mais en plus, il perd de la vie en faisant ça, en fait. Donc c'était pas non plus the best move, hein, on va dire ça, et sur la mantine. Oh putain, c'est le même. Heureusement, je l'avais soigné là. Oh le salopard, putain. Excusez-moi, mais là je suis un petit, je rage un petit peu là quand même. Je suis en train de gagner, mais ça m'énerve. Ça m'ouf. Regardez le tempête sac qui tue tout le monde quoi. On va le mettre KO, on va faire un point de feu. Je sais pas si ça va marcher sur lui. En plus, il est plus rapide de mes deux Pokémon là, c'est pas possible. Allez, putain. Voilà, je joue plutôt safety, hein. J'ai utilisé une super potion. Voilà quoi, c'était pas non plus... voilà. C'était un truc que je devais faire. Voilà. PV plus, ouais, ça peut servir. Bah, je crache pas là-dessus. Hein. Donc là, il y a un Pokémon. Il y a un combat double. Je peux passer par là? Non, je peux pas. Ouais, je peux pas. Oh la vache, le jeu nous pisse encore dessus quoi. Oh, je peux passer. Excusez-moi. Jusque dans sa hauteur vertigineuse, je protégerai ma maman bien-aimée. Ah mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Oh. Je pense qu'il faut être malin. Non, non, t'as raté ton attaque. Ok, ça marche. Non, putain, non. Ok, il est brûlé. Ok. Oh non, 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 non. Ouh. Oh, j'ai peur. Oh. Ok, ah, c'est des chiens.
Oh, fils de chien. Oh! Là, je suis monté en pression là. Donc là, c'est une nouvelle zone. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'on va avoir, les gens? Ah putain. La Mimanta. Est-ce que ça vaut le coup de le capturer? Je sais pas. Larsa. Ouais, on va peut-être le capturer, histoire de d'avoir un Pokémon en stock, vous voyez. Au cas où si un Pokémon de mon équipe meurt, bah je peux quand même le remplacer. Et si c'est un bon Pokémon, bon voilà, bah, je vais pas cracher dessus quoi, bordel. Oh là là, je suis sur le cul. Hein. Ouais, normal. Voilà, c'est pas exceptionnel les Pokémon, c'est normal, mais bon. Les attaques de type spectre ne vont pas me toucher en fait. C'est une des bonnes choses. Oh putain. Un ratata. C'est une blague. Et on prend la suite, évidemment. B prime. Portail Safari, ouh! Oh là là, pourquoi mon chat aboie? Je sais pas. Parfait, c'est toi qu'on attendait. Alors, ça en jette pas vrai. Comme tu le vois, le nouveau Safari a ouvert ses portes. Puisqu'on en parle, j'ai créé un examen pour devenir le propriétaire du parc. Ça te dirait de passer? Bah, évidemment. Très bien, formidable. Bon, commençons les explications de Carien. C'est très simple. Tu dois attraper un racaillou dans le Safari et me montrer. Il y en a dans les herbes d'entraînement. Ouais, mais ça a été randomisé, gros. Oh. Ça a été randomisé et tu me veux. Oh là là, mais non, 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 je fais pas ça, moi. En plus, c'était le Nuzlocke. Je pensais que c'était genre un petit test, genre des questions comme on a eu pour avoir le coupon radio là et tout. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah non, ça n'a pas été randomisé. Oh. Ok, ça n'a pas été randomisé. Écoutez, on va capturer sur un caillou. Ah oh, putain. Oh, il s'enfuit. Bon, techniquement, je peux plus capturer des Pokémon en fait. Mais on va juste capturer un caillou histoire de le montrer. Histoire de montrer au vieux gars et puis voilà, hein. Histoire de passer le test, mais sans plus, on va pas. Oh putain, man. Ça fait chier les Nuzlocke, hein, vraiment. Ça fait chier parce qu'on peut pas capturer autant de Pokémon qu'on voudrait. Donc Gravalent, je sais pas ce qu'on va lui demander. Allez, là, je vais foutre.
Ah la vache, je suis dégoûté. Donc voilà, Caillou, femelle, sans balèque. Donc là, je sais pas si ça a été aussi. Bah, je suis quand même dégoûté, hein. Ouais, mais celui-là, il n'a pas été randomisé. Ah, bah si! Attends, il n'a jamais été assis? Allez, on se casse. À moins qu'il y ait des objets. Peut-être checker un petit peu tout ça. Ok, là, c'est une barrière. Non, il y a zéro objet ici. Dans le pack Safari de Kanto, il y avait pas mal de trucs, dents en or et tout. Des hyper potions, super potions, enfin tous les trucs quoi. Là, il n'y a que dalle. Allez, partir. Ouais, on va quitter. Logan, ne me casse pas les pieds. Ok. Écoutez, le genou. C'est en préparation? Ah, oh, fils de chien, putain. Il y avait un PC, on ne pouvait même pas l'utiliser. C'est quoi ce délire? Bon, on va déposer notre Congorex. Qui a surf d'ailleurs. Retirer le racaillou. Ne vous en faites pas, j'ai pas oublié le dracofeu. Puis voilà. Ta la 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 la. To 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 to. Alors. C'est formidable, tu as attrapé un racaillou, tu as réussi la première fois. Oh, oh là là, il y a deux épreuves, bah oui. Quoi après? Oh, il nous pisse dessus. La deuxième épreuve n'est pas prête. Ah, il nous a niqué, mec. Allez, vol. Je pense qu'à Willy V, ça va être chaud. Hein. Ah, le jeu nous pisse. Sur l'arrêt de notre cul, quoi, c'est terrible quand même, hein. Le jeu qui nous respecte pas. Bon, écoutez, c'est pas la première fois que ce genre de truc m'arrive. Dans Pokémon Emerald, c'était un petit peu pire, je pense. Donc ça, hop, on est mort, parfait. Déposer une boîte 1, une, évidemment. On va retirer le racofeu, hein. Et puis celui-là. Palalalalalala. Bah avant ça, je vais checker encore des trucs, excusez-moi. Ok. Ok, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, n'est-ce pas? Ok, alors mon dracofeu. Ah, il y a Baby lui là. Pokémon de type psy et eau, d'accord, ok. Alors, attaque 38, défense 30, attaque SP 36, défense 33, vitesse 35. Ok, donc ça c'est plutôt. Comment dire? C'est plutôt équilibré en fait. Hein. Il n'y a pas trop dans l'excès ni. Vous passez hein. Dans ce raccou. Les pros cure. Babille. Amnésie. Alors, la deux attaques plutôt cheatées. Hein. Dans ce draco. Et amnésie, mais après le reste c'est pas top.
C'est pas top du tout, hein. Je sais pas. Peut-être ferais-je une pause pour entraîner mes Pokémon. Je sais pas du tout. Ah putain. Si tu me donnes une expérience. Putain, encore DB. Oh là là là. On va acheter quelques trucs. Déjà des Super Bowl. Ça mange pas de pain. Les hyper potions, évidemment. On va acheter une dizaine. Un peu de super potions, si jamais. Ah là là. J'ai un drac au feu, mais il est pas top. Hein. C'est normal, il est qu'au niveau 16. Hein. C'est pas non plus la folie. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être entraîner en off, je sais pas. Attends, est-ce que je pourrais pas lui apprendre une autre attaque cheatée, je sais pas. Allez, hop, oh, trop cool. Allez, j'enlève la vue du proscure. Est-ce qu'il peut apprendre force aussi? Serre? Non, il peut pas apprendre serre. Ok. Boum! 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 Ah, genre, il a pris Boum! Ah, il est pas content! Ah, ouais, à cause de sa capacité spéciale! Ah, j'ai mis l'air fâché. Oh là là. Bon, écoutez les gens, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Hein. Il a été quand même un petit peu long. Certes, mais bon, je pense que voilà, c'est comme ça dans la vie. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Allez, ciao tout le monde. A plus.